Shalom, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas prêcher des choses auxquelles nous sommes incapables de manifester. L'objectif de la théorie, c'est la pratique. L'objectif des enseignements de Jésus était d'initier ses disciples à cette puissance manifeste. La preuve, c'est la Pentecôte. Aujourd'hui, l'Église s'endort. L'Église est froide. Qu'est-ce qui se passe? Or, le réveil a été toujours la priorité de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous lançons la génération Médina. Une génération qui ne marchera pas seulement avec la mécanique, mais une génération qui sera mécanique dynamique. Paul a dit, or, l'évangile n'est pas venu en parole seulement, mais avec démonstration de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, nous lançons la génération Médina. Une génération qui n'aura pas seulement des discours persuasifs, mais une génération qui manifestera la puissance de Dieu. Une génération qui ne manifestera pas seulement la puissance, mais une génération qui prêchera la parole pure et vivifiante, celle qui transforme l'âme. Seigneur, si nous ne pouvons pas manifester ta puissance, alors nous ne sommes pas prêts de prêcher ta parole. Je suis Miracle Béni Référence de la génération Médina. Shalom. Accorde-moi juste une minute. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Miracle Béni TV.